Hey team, j'espère que t'es en forme pour l'entraînement du jour 12. Functional training. Toujours 45 secondes de travail, 15 secondes de récup, 4 séries de 4 mouvements pour un total de 20 minutes. Voici tout de suite les 4 mouvements du jour. Besoin d'un ballon, si vous avez un medicine ball ça peut le marcher aussi, ou pourquoi pas un coussin ou n'importe quoi, quelque chose que vous allez pouvoir pousser, développer avec les bras. On aura besoin aussi d'un bâton de manière à faire les squats, squat overhead. Si vous avez une serviette tendue assez grande pour placer au dessus de la tête, c'est parfait, ou alors une corde ou un élastique, peu importe. Un tapis aussi, prévoyez aussi un halter ou bien une bouteille. Et si tu es prêt, on est parti. Et on va commencer avec un mouvement évolutif, le Turkish Gallop. Ici, dans un premier temps, on commencera en fente et ensuite, on viendra vers ce mouvement qui est très complexe. On va venir placer le pied droit derrière, la main gauche vers le haut et on descend sur une fente, simplement avec une petite amplitude pour commencer. Allez, on descend le genou, on garde le bras droit vers le haut. Allez-y simplement à votre rythme. On descend et on remonte. Ici, pensez le talon derrière est bien décollé. Je pousse ma main vers le haut, je tourne mon aisselle vers l'avant. Si vous avez une charge, tout à l'heure, on utilisera cette charge et on la prendra avec la main. On va s'habituer ici maintenant à venir jusqu'au sol. On pose le genou et on remonte. Si vous n'êtes pas à l'aise sur ce mouvement, alors restez sur la première option et simplement descendez sur les petites amplitudes. Stop! On répète ça de l'autre côté maintenant, c'est le pied gauche que l'on place derrière et on pousse la main droite vers le haut. On y va, les deux pieds bien orientés vers l'avant et on reprend avec des petites amplitudes. Allez, on inspire et on expire. Pour ce mouvement-là, on pousse bien le talon dans le sol. On vient sentir l'engagement au niveau du fessier droit, ok? On pousse le genou légèrement vers l'extérieur comme ceci, on descend le genou gauche vers le bas. Et si vous êtes à l'aise, on peut tenter d'aller descendre le genou jusqu'au sol et on repousse. On descend, on descend, on descend, prenez bien le temps et on repousse. Allez, on continue encore. Hop, et on repousse. Voilà, c'est l'échauffement, on prend bien le temps toujours. Ok, c'est bon, très très bien. On relâche. Prochain mouvement, on aura besoin de notre petite charge. Non. De la barre. Allez, on va venir pousser la barre au-dessus de la tête. On descend et on remonte. Alors, on fait bien attention à ne pas pousser le bâton devant. On essaie de le maintenir au-dessus des épaules. Si vous avez mal aux épaules, si vous n'êtes pas à l'aise, essayez de tourner au maximum les aisselles vers l'avant. Stabilisez bien l'épaule, on descend et on repousse. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi descendre plus bas. L'option aussi, vous pouvez aussi avoir les bras devant. Si vraiment vous ne vous sentez pas du tout à l'aise avec les bras au-dessus des épaules, alors préférez placer les bras à hauteur des épaules. Allez, encore une. Hop là! On relâche. Très bien. Maintenant, prenez votre ballon si vous avez un ballon. Prenez votre oreiller si vous avez un oreiller. Prenez votre chat si vous avez un chat. Ici, squat et on pousse. En bas, en haut. En bas et on pousse. Marquez le squat, allonge les bras. Le squat et on repousse. Déjà les muscles sont un peu plus chauds. On peut déjà trouver une amplitude un peu plus importante au niveau de nos flexions les jambes. Allez, on est toujours sur des séries longues. On descend, on repousse. On descend et on peut jeter un petit peu. On descend et on jette. Hop.
top, on relâche et on va reprendre le premier mouvement. Alors, pour ce deuxième mouvement, on va partir. On va partir comme au départ. On va reprendre pied droit derrière. Mais cette fois-ci, soit les petits ici, soit je descends jusqu'au sol et je remonte. Ou alors, une nouvelle option, et si je vais venir poser le genou, poser la main au sol, et ensuite je vais venir garder le bras vers le haut et avancer la jambe qui est derrière pour venir m'asseoir. Ok? Dès que je suis ici, je vais venir placer mon bras sur le côté, poser l'épaule et revenir au sol. Le plus dur maintenant, c'est de remonter. Allez, on pousse avec toujours le bras vers le haut, on pousse avec la main et on va venir placer le bras, la jambe derrière. On revient sur le genou et on repousse vers le haut. Ouais, ça ce sera notre deuxième option. On va tenter de l'autre côté maintenant. Changer. Pied droit devant, pied gauche derrière. Option 1, je commence sur des petites fentes. Option 2, je descends le genou au sol et je remonte. Option 3, ici j'essaie de descendre le genou au sol. Je pose ma main gauche sur le sol et ensuite je viens placer la jambe gauche vers l'avant. Hop là, on s'assied, on a toujours le bras droit vers le haut, écarter la main, déposer l'épaule et déposer l'autre épaule. On essaie de remonter, allez, on vient sur une épaule, on pousse avec le bras, on pousse avec la main, la jambe gauche passe derrière, genou au sol et je remonte en fente. Ok, c'est bon pour ça? On relâche. On essaiera d'aller un peu plus vite sur les prochaines séries. On continue avec les squats. Squat overhead, les deux pieds sont un peu plus larges que les épaules. On repousse les mains vers le haut. Et dès que vous êtes chaud, on est reparti pour les squats. Allez, on va les enchaîner un peu plus rapidement cette fois-ci. Tournez bien vos aisselles vers l'avant. Poussez bien la poitrine vers le ciel. Et si vous êtes bien à l'aise, accélérez le mouvement. Faites toujours attention ici à avoir les genoux dans l'orientation des orteils. Allez, pas de dos qui flanche vers l'avant, ça je veux pas le voir. On reste bien droit. On pousse les mains vers le ciel et on continue. 20 secondes. Allez, le mouvement précédent était assez technique. On a pris beaucoup de temps. Alors sur ce mouvement, il est un peu plus simple, on va essayer de mettre un peu plus d'intensité. Allez, on accélère un petit peu sur les dernières. 5 secondes, on en fait 2 de plus. Allez, dernière. Ok, on relâche. On rajoute une dernière option. Soit je développe, soit je développe et je jette. Soit je touche le sol avant de pousser vers le ciel. On touche et on pousse. On touche le sol, on pousse vers le ciel. On pousse bien les hanches en arrière. On ramène les mains au sol. On ramène notre poids devant au sol. Et on pousse vers le haut. On vient trouver l'étirement. Faites toujours attention de ne pas enrouler le dos en position basse. On garde les courbures naturelles du dos. Le dos est légèrement creusé sur le bas. On maintient cette courbure-là. Allez, 10 secondes. Stop. Droite, gauche, droite, gauche. Allez, on va rester sur un petit engagement cardio. Restez sur les genoux devant. Léger. Restez léger. Buvez un peu d'eau. Pour cet entraînement fonctionnel, tout le travail, tout le corps travaille. Ici, on va faire 1, 2, doublé. 1, 2, doublé. Allez, encore. À droite. À gauche. Coin, coin. Coin, coin. Ok, c'est bon, vous l'avez. On reprend du début. Allez, soit avec une charge, soit sans charge maintenant.
On reprend. 1, 2, 3. On vient au sol. On remonte. Gardez toujours. Ça. Et on repousse. Allez. On garde le poids vers le haut. Hop là. Deux au sol. On garde un bras au sol. On pousse avec la main. Et on essaie de garder le poids vers le ciel. Allez, on pose le genou. On garde la main vers le haut. On tourne. Poignée vers l'avant. Et on revient au sol. Allez, courage. Un travail de tout le corps, vous le sentez. Est-ce qu'on a la possibilité de le faire une dernière fois? Ah, ouais, pas mal. Relâchez. On tente de l'autre côté. Pied droit devant, pied gauche derrière. Allez, on repousse le poids vers le ciel. On stabilise bien l'épaule. Et on est parti. Hop. Main au sol. Je place la jambe gauche derrière. Et je remonte. On pose le genou au sol. On pose la main au sol. On avance la jambe gauche. Et on revient ici. On n'oublie pas de ne pas s'arrêter. Si vous n'êtes pas à l'aise sur ce mouvement, je reste bien sûr sur les fentes. Avec plus ou moins d'amplitude. Oui. Allez, courage. On peut le faire. Hop. Et on relâche. Ok. Ça, c'est bon. On passe au squat overhead. Les épaules sont bien engagées ici. Allez. Pas de charge. Un mouvement dynamique, mais propre. Si vous avez vraiment en position basse, oh, vous commencez à flancher vers l'avant. Bien simplement, réduisez votre option d'amplitude. Préférez rester sur une faible amplitude. On a un vrai gros travail postural ici. Le fait d'avoir les bras vers le haut, ça nous pousse. Ça nous force à garder le dos le plus droit possible. Allez, 15 secondes. On y est presque, on y est presque. Ok. Oh, yeah. Oh, yeah. Allez, on y va ensemble. Squat. Pousse. Squat. Pousse. Squat. On fait bien attention ici. Au moment de pousser vers le haut, à pas trop partir en arrière. On contracte fortement les fessiers, on stabilise le bassin. Allez. Ici, ou au sol. Soit je touche le sol, soit je touche pas le sol. Allez, encore 15 secondes. Oh, yeah. Oh, ouais. Et le voilà, le dernier tour. On y va? On garde toujours le bon mouvement. On fait attention à la technique. Et on peut y mettre un peu plus de vitesse. Bonne fente, une bonne transition au sol et on repousse. Restez bien concentré sur chaque mouvement. Ok, on change de côté. Et c'est reparti. Allez.
technique, de le mouvement, comme toujours, prenez bien le temps d'intégration avant d'y mettre plus d'intensité. Allez. Dernier mouvement. La barre. Je vous propose qu'on fasse 3 petits en bas. 3, 2, 1. Monte. 3 petits. Et on repousse. Allez, on descend. On reste en bas. En haut avec moi. On y va sur le même rythme. Ensemble. 1, 2, 3. Et pousse encore. 1, 2, 3. Et monte encore. 25 secondes. Ouais, allez. Montrez-moi l'envie. Allez. Encore, on continue. C'est pas fini. Une de plus. 3, 2, 1. Ok. Est-ce que ce serait pas le dernier mouvement? Pas de rythme, juste le vôtre. Hop! Allez, soufflez bien en poussant vers le haut. Absorbez le ventre, restez bien grand. Allez, encore. À chaque fois, je pose la charge entre mes deux pieds et je pousse vers le ciel. Allez, 15 secondes. Allez, malgré l'intensité, malgré l'épuisement, reste concentré. Concentré sur le mouvement pour bien le réaliser. Stop. Genou haut, alterné, droite, gauche. Allez, dernière montée du cardio. Enlève, enlève. On se souvient de la combinaison. 3, 2, 1. On y va à droite. Doublé, doublé. À droite, à gauche. Plus haut. 20 secondes. Genou alterné. Droite, gauche, droite, gauche. Secondes et on va y entraîner sur ça. Quatre, trois, deux, stop. On relâche. Allez, on valide notre entraînement avec un petit étirement et ce sera tout. Croisez les doigts, inspirez, poussez devant, regardez vers le sol. On détache les bras, on ouvre. On inspire et on vient s'incliner sur le côté. On étire les muscles du dos, les obliques, on inspire et on expire, on étire de la même manière de l'autre côté. Ouvrez les bras, inspirez, relâchez. On va venir en appui sur la jambe gauche, attrapez le pied. On étire le quadriceps, on rapproche les genoux, on pousse le genou vers le sol. Et on change de côté. Allez, même chose. On se stabilise avec un support ou sans. Si on est très équilibré, on pousse le genou vers le sol et on ramène le pied vers l'arrière. Attention, les abdos, on les garde jusqu'au bout. Et voilà. On va coller les deux pieds. On va lever les deux bras. On va inspirer. Sur l'expiration, on va essayer de garder le dos plat. Et poussez les mains devant. Éloignez les mains devant. Poussez les hanches en arrière. Avec cette intention-là d'éloigner les hanches loin des mains devant. On va tirer les bras en arrière. Croisez les doigts. Inspirez.
pousser les mains vers l'arrière. On va étirer l'avant des épaules en s'inclinant davantage. Venez enrouler le dos. Rentrez le menton, rentrez le ventre. Et poussez les mains vers le ciel si c'est possible. Ou alors vers l'avant si vous êtes très souple au niveau des épaules. Et ensuite on déroule. On lève les bras une nouvelle fois. Inspirez. Grandissez-vous. Écartez les bras. Étirez le fessier droit. Le fessier gauche. Et ce sera bon pour cet entraînement. MadFit Team, bravo! Entraînement du jour 12, validé. Je suis fier de toi, tu peux être très fier de toi. 12 jours déjà, n'est-ce pas fantastique? Tu sens comme tu te sens bien là? La vitalité qui rayonne de ton visage. Je vois tes yeux qui pétillent de bonheur. Passe une bonne journée ou une bonne soirée si c'est le soir. Je te dis à demain pour l'entraînement du jour 13. 100% cardio, cardio box. D'ici là, restons chez nous, bougeons chez nous. Allez, salut!